Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur nos plans B, nos plans B. Alors, ce ne sera pas évidemment un nouvel épisode car on va faire la campagne, je l'avais dit, la campagne du SWAT, Clear Rules. On est parti. Non, c'est le même nom. Je ne sais plus si c'est le même nom, bref. Ce que je sais, c'est que les maps changent. C'est-à-dire que si vous... Roaring Dawn, c'est toujours les mêmes choses. C'est un siège, c'est une petite menace, une minute, tout ça, tout ça. Mais le style de la map change. Le bâtiment, les points d'accès, etc. Tout ça, ça change. Alors, dans la campagne, il y a des trucs à savoir. C'est qu'on a la fatigue qui rentre en compte. Et les PV que votre unité perd, eh bien, elle les perd d'une mission à l'autre. Il faut pouvoir aller ici faire de la guérison des squads, faire du repos de l'escouade, etc. Le réapprovisionnement de l'arsenal aussi, parce que vos grenades s'amenuisent. Et les armes, si, il me semble que si votre personnage meurt, vous perdez les armes qu'il avait sur lui. Voilà. Alors, j'ai fait une petite escouade du SWAT avec... les noms des mécènes de la chaîne Les Jeux du Cygne. Donc nous aurons Aminou, Ardarin, Poslovic, Malvin, Papillote, Inaru, le Cygne Noir himself et Malice qui vont se battre pour défendre le monde. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme point d'accès? Alors on n'a aucune fenêtre, on n'a rien. D'accord, on a une grande porte et une petite porte ici. On pourrait attaquer par cette porte-là ou celle-là, d'accord, et cette porte-ci. Après ici, c'est que des petites pièces. Donc, comment on va faire ça? Inaru, tu vas venir ici. Regardez ce style, cette classe, ce personnage. Inaru, déjà tu vas prendre une greu-greu. Ça peut toujours être utile. Alors menace faible, je pense qu'on va plutôt utiliser du pistolet et du MP7. Hein. Le FAMAS c'est très bien, évidemment, mais ça reste un fusil d'assaut. Quoique. Précis mais nécessite une visée longue, idéal pour les engagements à longue portée. Faux. Non mais c'est pour le... Donc là, on va plus être dans des petites pièces. Je pense qu'on va faire la moitié au pistolet avec des grenades. Pour ces petites pièces-là. Donc, on va mettre avec lui le Cygne Noir qui va s'engager, évidemment. Qui lui va prendre un pistolet mitrailleur pour venir épauler. Et ensuite, on va prendre notre ami Aminou. Vous savez que je suis un grand fan d'Aminou. Qui, lui, va prendre une M4 et une grenade. Parce que la pièce est un peu plus grande. Surtout celle-ci. Ah ouais, non mais attendez. Ah. Le seul moyen d'entrer dans cette pièce-là, c'est par là. Ah. Donc Aminou, tu vas revenir là. Le Cygne Noir, tu vas là. Aminou, tu vas là. Aminou, reviens. Reprends ta M4. Voilà. Parce que comme ça, on aura une longue arme pour ici. Parce que là, il y aura des mecs, c'est sûr. Et Papillote va accompagner le Cygne Noir. Voilà. Je pense que là, on sera pas mal. Je crois qu'ils sont 3 en menace faible. Bon, bref. On a que 2 greufs. Je vais prendre une greu, toi, pour cette pièce-là. Ok, on y va. Inaru, grenade. Tu me grenades cette pièce. D'accord? Ensuite, tu rentres. Mince. Tac. Tac, tac, tac. Ah, il va être sonné. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon.
Ah non, là, il est plus sonné, là. Bon. Si on me dit qu'il est plus sonné. Ok. Donc. Ensuite, Aminou. Il va pointer par là. Ah, Aminou est une femme. Ok. Donc cette salle sera sécure. Ok. Aminou, je ne peux pas te laisser en tant que femme. Je suis désolé, Aminou, mais tu deviens un homme. Et tu as une barbe rousse, donc tout va bien. Voilà, Aminou, tout est géré. Ok. Papillote. Ici, est-ce qu'il y aura un mec? Ah, ou alors, le signe noir, tu vas aller par là, toi. Oui. Comme ça, le signe noir. FBI, voilà, open up. En même temps, on a Papillote, FBI, open up. Hop. Et le signe noir, lui, il va rentrer. Voilà. Et venir là. Tu vas pouvoir te déplacer là. Et techniquement, cette pièce-là sera sécure. On prend d'assaut cette pièce. Voilà, on va prendre d'assaut cette pièce. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. 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 Et ça. Ok, toi. Greux. Me greux ça. Là. Ok, maintenant. Tu rentres. Le signe noir. Tu rentres. Copy that. Voilà, le gros bordel. On débarque à 4 dans la salle. Ça va mal se passer, je le sais. Ok. Maintenant. Roger. FBI open up de la part de Papillote. Il n'a pas peur. Qui va, hop, aller par là, suivi de faire ça. Pendant ce temps-là, le signe noir. Le signe noir qui n'aura pas peur non plus. D'ailleurs, ça a l'air d'être la signette noire. Voilà. Et après, il va faire ça. Alors, on va avoir, surtout, pendant ce temps-là, tac 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 tac. Aminou. Aminou, il va venir couvrir. Et en dernier, on aura eh bien Inaru. Il va hop hop. Il y a beaucoup plus de choses à faire que ses coéquipiers, mais c'est pas grave. Et ça va très mal se passer. Il va y avoir des morts, je vous l'assure. C'est parti. Attention. C'est parti. Lecture. Fort Boyard. Oui, bravo. Ok, il n'y avait personne dans cette salle. C'est pas grave, on peut pas le savoir. En avant, les gars. Personne dans cette salle. Dommage. Deux grenades balancées dans le vent. Et là, je vais pas balancer de grenade et il y aura 15 mecs dans la salle. Bravo! Non! Qui est mort? Qui est mort? Non! Non, on a perdu quelqu'un! Non, le signe noir est mort! Non! Bon, bah le signe noir est mort. Nous venons de perdre le signe noir. Alors, j'écrirai une lettre à sa famille, évidemment. Le signe noir a été neutralisé. Nous avons perdu le signe noir.
désolé. Désolé à lui et à toute sa famille. Évidemment, nous écrirons une lettre à sa famille. Alors, on va faire ça pour récupérer des soins des squads. C'est parti. Donc voilà, on a perdu le signe noir. Alors, vous voyez qu'ils ont accumulé de la fatigue. Ils récupèrent un point de fatigue quand ils ne travaillent pas. Voilà, donc la fatigue, ça fait ces malus-là. Donc à chaque fois qu'ils ne travaillent pas, ils vont pouvoir se reposer. Alors, bon, il me reste deux greux. En théorie. C'est ça. Malvin. Malvin, on va devoir l'engager, quoi. Où est-ce qu'on est tombé? Alors, ça pue. Ça pue, ça pue. Ah, on a les seeds. C'est bien ça, j'avais pas vu. Alors, on a perdu le signe noir. Tout va mal. Ah, attention à cette porte. Parce que là, en fait, il va voir direct. Hein. Il y aura une vue directe. Après, j'aime bien cette salle. Qu'est-ce que ça donne un peu? J'aime bien cette salle. Donc, on va venir y mettre... Qui va venir là? Malice. 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 Malice, tu vas venir ici. Alors peut-être que tu vas mourir hein, également. Ça peut arriver dans ce métier est dangereux. Malvin. Avec Malvin, à deux ici. Et les deux là, on va prendre Ardarin, évidemment. On va pas prendre de grenades pour celle-là. Et Poslovich. Poslovich, cet homme avec cette moustache. Ok, à deux, ils vont prendre... chacun va prendre d'assaut cette salle. Alors. Alors, on va commencer avec eux. FBI open up. Alors là, c'est plutôt SWAT open up. Voilà, à deux, ils vont ouvrir comme ça, comme des bourrins. Et maintenant, go. Alors, Malice, tu vas hop, plutôt faire ça. Pendant que Malvin, lui, il va faire ça. Et ensuite, il va... Ah, Malvin est une femme aussi. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Là. Voilà. Tu vas avancer. Voilà. Quand il sera en position, tac. Voilà. Donc, cette pièce, normalement, là, est sécurisée. Si vous êtes bon, ça devrait bien se passer. C'est ça, le problème, c'est est-ce que vous êtes bon? Donc, ici, on va avoir un problème. C'est que ça va pas bien se passer. Open up. Open up tout droit. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite... Ok. Et là, ils arrivent à peu près en même temps à la porte. Voilà. Ça, c'est pas mal. FBI open up. D'ailleurs, non. Tac, tac. Je vais d'abord regarder par là, puis ouvrir la porte. Donc là, on me dit qu'ils voient toute la pièce. Presque. Balayage. Toi, tu vas... Tac. Tac. Voilà. Donc là, normalement, cette pièce sera sécure aussi. Il ne restera plus que celle-là et celle-là et celle-là. Ça fait peur, il y a beaucoup de pièces. Ok. Là, on revient là. FBI open up.
Voilà, moi je suis en mode open up, hein. Vous l'aurez compris. Tu vas courir là, et pendant ce temps-là, Melvin, lui, il va... Hop là! Ok. Et toi, tu vas... Hop. Tu vas regarder par là, et toi, tu vas regarder par là. Ok. Pendant ce temps-là... Voilà. Vous deux. Tac. Tac, d'ailleurs, quand il commence à courir. Tac. Ok, attendez. Oh, que j'ai fait une connerie. Voilà. Ok. J'ai déjà fait la même connerie, donc c'est pour ça que je savais que j'avais fait une connerie. Ok. Là, toi tu vas regarder par là, toi tu vas regarder par là. Et c'est parti. On prend d'assaut cette pièce. Toi, hop, tu viens comme ça, puis tu regardes par là et t'avances. Normalement, ça devrait bien se passer. Et maintenant qu'on est tous en position ici. Open up. Tu vas par là. Ok. Voilà. Toi. Non. En arrière. Tu te retournes. Ouvre la porte. Tu avances. Tu regardes par là. Tu recules. D'ailleurs, non. On va faire autre chose. Voilà. On va plutôt faire ça. Non. Voilà. C'est mieux. Donc. Et hop. Même là. Hop là. Tu regardes. Tu ouvres la porte. Avance, tu fais ça et tu te modifies. Pendant que toi, tu regardes par là et tu viens. Ça va très mal se passer. On va avoir un mort. Je le sens gros comme une baraque. Attention, il n'y a pas de plan B. C'est parti. Regardez cette intervention du SWAT JIGN. C'était beau, le double shoot là. Dans la salle d'en bas. Bravo! Ils ont du talent, hein. Oh oui! On a des blessés, on a des blessés. Ok, personne. On aurait eu que deux blessés. Quel talent! Cette équipe! Alors, vous voyez, hein, l'arbre... Ah ça peut être pas mal. Analyse du bâtiment. Alors, évidemment, on a des points maintenant. On a des points et on peut débloquer des choses. Alors, si on retourne là, sur la première mission. On peut pas la changer. On peut pas la refaire. On peut soit quitter la mission, soit éditeur de cartes. Mais ça va à l'éditeur de cartes et on la relance. Voilà. Alors, normalement... ce sera toujours le même résultat pour celui-là, pas comme les missions solo que j'avais montré dans la vidéo de découverte. Normalement là le signe noir va quand même mourir, dans tous les cas il meurt. À dire que je suis sûr que si j'avais lancé la grenade ici, le signe noir vivait. C'est ça, j'aurais lancé la grenade ici, le signe noir était vivant. Pas ici, ici. Voilà, donc dans tous les cas, le signe noir meurt. Nous perdons quand même le signe noir dans tous les cas. C'est horrible. Horrible, horrible. Voilà, donc vous voyez qu'on ne peut pas tenter de refaire les missions. Bien. Alors, mais on peut aller dans mission maintenant. Et si on va là, en fait, on gagne les points. Alors, c'est un peu bizarre.
comment c'est géré, mais en gros... Hop. Hop. Donc on a nos armes ici. D'ailleurs, hop, hop. Voilà. Et normalement, si je vais à la boutique... Ah non, à la boutique, j'ai pas de sous. Mais en... Ah non, j'en ai pas plus. Ah donc non, les missions, c'est pas géré pareil que... D'accord. Donc quand on achète des armes en mission, on les a pour la campagne. Mais ce qu'on débloque en campagne, on l'a pas pour la mission. D'accord. Taille de la carte moyenne, menace faible, arrêter le siège en cours, 2 minutes. Et ça, récupérer autant d'informations que possible. Ah. Bah on va aller faire ça. Comme ça on va avoir un autre type de mission encore. Vous voyez que ça va vite, hein. Ok, il faut aller là. Alors, si je fais une guérison de Deathquad, tout le monde est soigné. Mais on voit que ceux qui n'ont pas participé à la mission... Ah non, sont quand même blessés. D'accord, bah, je vais faire une guérison complète des squads, voilà. Mais on n'a que 3 mecs, hein, parce qu'on a perdu le signe noir. Le signe noir ayant, ayant été tué en opération. Alors, mais donc, là, si je vais à la boutique... Ah non, mais j'ai que 100. Alors attendez, l'argent, c'est en, dans les missions que ça se débloque, et pas dans la campagne. Mais ces points-là... Bah non, j'en ai que 3. Pourquoi j'en ai que 3? Non. 3 plus 1. Et 4. Il y a un truc que je comprends pas avec ça. J'ai fait 2 chapitres, donc je devrais en avoir... On commence qu'avec 2? Attendez. Attendez. On veut comprendre un truc. Combien j'en ai là? Là j'en ai 3 plus 0. Ok. Ouais, donc là je devrais en avoir 2 de plus. Mais on a vu que... Là, dans les missions, on avait 3, mais pas 4. Donc je devrais en avoir 5. Pas 3. Je comprends pas. Ou alors il faut finir la campagne pour que ce soit débloqué? Ce serait dur. Ce serait très dur. On va continuer. Alors, on a dit qu'on allait chercher ça. Voilà. Bon. Alors, Papillote. Qu'est-ce qu'on a en tant qu'avantage? Docteur, c'est très bien. Ça permet de soigner les coéquipiers. Moins 25% de l'impact de la fatigue. Ah là là, il y a tellement de trucs. Tireur d'élite. Spécialiste de l'arme de poing. Lanceur, grenadier, brise-porte. Plus une grenade transportable. Casanier, plus 25% de précision en couvert. Ouais, bon. Par contre, ouais, donc là je suis dans la merde parce que les grenades ça coûte cher. Il faut faire des missions, d'accord. C'est un peu bizarre. Bon, bref. C'est quoi comme type de carte? Une grande pièce et 2 petites pièces. Donc là, il nous faut du fusil d'assaut. Simple que ça. Donc, papillote. Famas. Inaru. Piste 4. Aminu. Voilà. On y va. Co fusil d'assaut. J'en mettrais bien un là avec un flingue pour faire un chuit. Mais ça va le fatiguer. Ils sont déjà tous fatigués. C'est pas grave. On entre comme des bourrins. Voilà. Non.
En avant. Oui. On y va comme ça, ouais. comme des porcs, tout à fait. Comme des porcs, tout à fait. Est-ce que j'ai peur? Non. Ah si. Parce que là, ils vont mourir. Hop. Hop. Donc là, pendant que lui continue à se déplacer, eux ils sont là. Alors. Tac. 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 Ok. Ensuite. Non. Viser avant d'ouvrir la porte. Voilà. Comme ça, hop. On est bien d'accord que toi, tu vois à l'intérieur. Non. Annulé. Voilà. Et si on n'est pas dedans, on perd la mission. Ce serait con quand même. Allez, vous allez mourir. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ah, on voit le crâne du signe noir. Mais pourquoi il tire pas? Là normalement elle devait tirer, hein. Elle l'a vu hein, en rentrant. Je suis désolé. Hein. Normalement elle l'a vu. Hein. C'est juste qu'elle a pas tiré. Pas tiré. Voilà. C'est de sa faute. Hein. Moi je dis, quand tu vois un ennemi, tu lui mets 2 balles. Hein. Voilà, on a reperdu quelqu'un. C'est pas grave. Papillote. Papillote est décédé en opération. Ce n'est pas très grave. Nous continuerons à faire ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire faire des choses. Arrêtez le siège en cours. Menace. Faible. Arrêtez le siège en cours. Bon, c'est la même. On va prendre celle-là. Voilà. Alors, en fait, on aura fait toute une campagne, tout un chapitre en une vidéo. D'accord, je croyais que ça allait être plus long que ça. Nous avons eu déjà 2 morts, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, Malvin. Et Oslovitch. On va peut-être leur mettre des grenades quand même. On va tous rentrer par la même porte cette fois. D'accord? D'accord les gars? Ça vous va? Ok, grenade. Même si on sait qu'il n'y aura pas d'ennemis et qu'on va se faire bait. Non, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis dans cette pièce. Il n'y a pas d'ennemis dans cette pièce. Open up. Non. Viser. Tu vises par là. Tu open up. Non, tu vas là. Est-ce qu'il a fait le con et à ressortir? Je ne sais pas, je vais refaire. Voilà. Malvin. En avant. Toi, un peu avant, quand même. Ardarin, go. Ok. De la fluidité dans les mouvements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Malice, toi tu vas faire ça. Et tu vas accompagner Ardarin. Voilà. Pendant que vous deux vous vous déplacez, que eux ils ont sécurisé la salle, on est d'accord. Eh bien, ils vont venir
Tac, 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 tac. Malvin, c'est pareil. Hop, toi, tu vas, entre guillemets, courir tout droit. Ok. Go. Là, on n'a pas vu. Hein. Tu vas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, non, j'ai appuyé sur un nœud. Je devais pas le faire. Tac, 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 tac. Non. Non. Non, 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 non. Tac, tac. Ralenti, avance rapide. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, maintenant que cette pièce est sécurisée, on va pouvoir venir comme ça. Et toi, tu vas pouvoir venir comme ça. Voilà. Ok, maintenant la grande pièce. Et la grande pièce, à mon avis, ça va puer du cul. Donc, quand Malvin est là, toi tu vas commencer à te déplacer. Tu vas te mettre comme ça. Toi, comme ça. Toi, comme ça. Et hop là, toi, tu vas avancer là. Voilà. Au moment où tu es là, toi, tu avances. Grenade. Grenade. Ok. Viser par là. Tu vas te mettre à couvert ici. Toi. Tu vas viser là. Go. Ok. Go. D'ailleurs, ça sera mieux. Et bah quand ils y vont tous, toi tu vas commencer à y aller. Et ça va mal finir. Moi je sens que ça va mal finir. C'est parti. La mort du SWAT en direct. Je l'avais dit, pas d'ennemis dans cette salle. Magnifique. Bon là ils vont être 12. Non, même pas. Ils sont tous dans la grande pièce en fait. Donc ça va mal finir. Non Malvin! 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 Non! C'est pas grave. La moitié de la team est morte quand même. C'est ça qu'on retiendra, c'est que la moitié de la team est décédée. Mais tout va bien. Ok. Donc là, je suis censé avoir plein de points normalement. On est d'accord. Il manque un point, hein. Il manque un point de la première mission, je crois. Par contre, là on est dans la merde, parce qu'on a personne. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. Donc non, tu vas plutôt aller ici. Avec, pourquoi là? Je voudrais aller là, je comprends pas. Mais non. Allez, là, il me faut tout le monde, hein, même les fatigués. Vous y allez, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Fallait pas être fatigué. Puis, ils avaient qu'à pas mourir, les autres. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Tac et tac. Oh, il y en a un qui va se sentir tout seul là-haut, c'est Inaru. Qui va se sentir tout seul, mais c'est pas grave. Ça va aller, ne t'inquiète pas, mon petit Inaru. Ça va aller pour toi. Là, il n'y a personne. C'est sûr. Non. Alors. Hop. Tu vas. Hop. Hop. Open up. Pendant que tu open up,
Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On va avancer vers cette porte-là. On va faire tout le déroulement de ces deux gars. Et après, on va faire les autres. Donc, ensuite, open up. Open up. Non. Presque en même temps, c'est très bien. Ok, ensuite ils vont aller là-bas. À deux. Open. Hop, toi tu vas. Voilà. Donc une fois que c'est fait. Hop, toi. Je vais te mettre là. D'ailleurs, non. Là, quand elle commence à... Voilà. Vous mettez là. Ok. Ces deux-là, c'est fait. Maintenant. Pendant qu'ils se mettent en place, vous allez ouvrir la porte. D'ailleurs... On va même faire ça, là, et go. Voilà. Pendant ce temps-là, toi, ouverture de porte. Hop là, pendant que, tac, tac. Voilà. Hop, Ok. Ça me paraît pas bien. Inaru, toi tu vas intervenir dès le début, hein. Évidemment. Ici, il n'y a personne. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai deviné. Mais alors, pourquoi tu peux pas passer la porte? Je t'ai demandé de l'ouvrir la porte, mon petit Inaru. Pourquoi tu ne le fais pas? Voilà. Merci. Ok. Donc ici, par contre, tu vas attendre les autres. Quoique les autres seront en pleine opération. Donc toi, tu vas... Hop. Hop. Hop là. I'm on it. Ok, on en est là. Understood. Ok. Bon. Ça va tellement mal se passer. Sachant que si lui il meurt là, il n'y a personne qui va venir. Si, il y a quand même des gens qui vont venir. Merci. Alors, là, toi. Tac, 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 Ok. Mais non. Affirmative.
Ok. Affirmative. Tac. Là, on est ici. Là, il y en a 12 000, hein, des mecs. J'en suis sûr. Ok. Alors. En avant. Understood. Tac. Et tu attends là. Pendant ce temps-là. Toi, tu vas avancer avec lui. Tac. Tu vas changer d'angle de vue. Tac. Et toi, tu vas commencer à partir un peu avant. En regardant là-bas. Tac. Voilà. Ensuite, vous deux. Vous deux. Non. La porte est là. I'm on it. Quoi? Voilà. Ok. Ok. Pendant que eux ils avancent, vous allez commencer à bouger par là. Ok. Tu rentres comme un bourrin. Hop là, toi. Ça va tellement mal se passer. Allez, c'est bon. Ça part en couille. Hein. Attention, les plans foireux. Akatsuki, futur champion du monde de défonçage de porte. On est tous morts. Il faut que je travaille pour le GIGN. Voilà, Inaru! Inaru! Inaru, ce guerrier. Open up! Inaru, toujours! Inaru, c'est un guerrier. Meilleur morme des forces de l'ordre ever. Bien. Allez les gars. On y va. Non. On a perdu encore un soldat, c'est pas grave. Ah oui. Ah, il fallait surtout regarder Inaru quoi. Inaru the best. Vous avez terminé le chapitre.
Ah bah voilà, donc on les avait pas débloqués. Poslovic est mort. Désolé pour toi. Et donc, là, si je fais quitter la mission, on a bien fini le premier chapitre. On est d'accord. Si je commence le deuxième, est-ce qu'on commence avec une team pleine ou avec une team à moitié vide? Non, ça va, ils ont remis une team pleine. D'accord. Ok. Ok, ça va, ils sont gentils. Eh bien, voilà pour la fin de ce premier chapitre. Vous avez tout le premier chapitre, vous aurez les autres chapitres. Eh bien, à la suite, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.